Seigneur est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Il est bon d'entendre au matin près de moi le bruit de tes pas. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Tu m'appelles à vivre un bonheur étonnant, aimé comme toi. Dans tes yeux, dans ton cœur, l'histoire de Dieu. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, plus brûlant que le soleil d'été. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, homme de Dieu, homme qui faisait promotion pour la parole de Dieu, homme ouvert à tous et surtout au tout autre qui est le Dieu ineffable. Au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché, demandons à Dieu de nous prendre à pitié. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux prêtre Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre. Fais que ton peuple se nourrisse plus abondamment de ta parole et trouve en elle la source de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 38, les versets 1 à suivant, puis 40, versets 3 et 5. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job. Quel est celui qui, sans rien ni connaître, défigure la province? Prépare-toi au combat. Comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. As-tu une seule fois de ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en fasse tomber les méchants d'une secousse? Elle donne à la terre sa teinte vermeille et la colore comme un vêtement. Elle enlève leur lumière aux méchants et brise le bras qui se levait. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu exploré le fond de l'abîme? As-tu découvert les portes de la mort, l'entrée du pays de l'homme? As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc, si tu sais tout cela, de quel côté habite la lumière? Quelle est la demeure de l'obscurité? Peux-tu cerner son domaine, reconnaître les sentiers de sa maison? Tu peux le savoir, car tu étais déjà né. Toi qui comptes un si grand nombre de jours. Job répondit alors au Seigneur, « Je suis trop peu de choses. Que puis-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois. Je ne dirai plus rien. J'ai parlé deux fois, je n'ai plus rien à ajouter. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Méditons le psaume 138 et nous répéterons. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité ensemble. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tu me dévances et me poursuis ensemble. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Où donc aller, loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici ensemble. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit ensemble. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ensemble. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'évangile. Alléluia, vive l'évangile. Alléluia, parole libération. Alléluia, bravo pour Jésus-Christ. Alléluia, louange pour lui. Pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, vive l'évangile, alléluia, parole libération, alléluia, bravo pour Jésus-Christ, alléluia, louange pour lui. Le Seigneur soit avec vous.
avec vos esprits. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazin, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, vive l'évangile, alléluia, parole libération, alléluia, bravo pour Jésus-Christ, alléluia, louange pour lui. Mes soeurs, mes frères, l'homme est fait pour l'immortalité. Il a été créé pour qu'il vive dans l'éternité de Dieu. Tout étant un homme, un être limité dans le temps et dans l'espace, tout en étant un être qui vit dans le chronos, il est appelé à pénétrer le kairos, c'est-à-dire vivre dans l'éternité de Dieu. Et c'était pour cela justement que le Christ était venu. Il était venu nous montrer la voie qu'il faut prendre, le chemin à franchir afin d'atteindre Dieu, pour nous capables de joindre bon Dieu. Et Jésus, qui était détaché de sa lié, de sa divinité, qui était épousé l'humanité, de quoi pour nous-mêmes, nous capables de goûter pour nous, Jean bon Dieu bon, pour nous, Jean bon Dieu merveilleux, pour nous, Jean bon Dieu grand. Et que Jésus les sentit les toucher, déchirer, les louer, message, délivrance. Bonne nouvelle qui portait cœur content, qui fait cœur réjoui, qui éveillait l'esprit. Jésus les sentit les toucher en tant que monde. Le loin côté lui fait miracle, signe. Monio, ça pas dit rien, ça n'a pas touché. Les signes, chers frères bien-aimés, ils ont gagné pour première mission, et même pour attirer monio vers le royaume. Jésus qui t'a fait miracle. Jésus qui t'a levé petite fille à Iran, Jésus qui à Capharnaüm, dans la maison de Pierre, là où que Pierre habitait, et bien, il était guéri, belle main Pierre, en bas la fièvre. Jésus qui t'a ressuscité Lazare, Jésus t'a fait signe ça pour que mon yoka croie réellement vrai, qu'il fut l'envoyé de Dieu, que c'est cela qui vint en réalité pour les délivrer. Jésus visitait nos trois villes, ça y est. Chorazin, Bethsaïde et Capharnaüm. Trois villes, ça y est, c'est trois villes. Eh bien, Jésus était marché même. Ces trois villes, Jésus était passé de manière intense pour lui bailler bonne nouvelle là, pour lui évangéliser mon yo, pour lui parler avec yo. C'est dans la ville, côté Jésus lui-même, il était prophétisé avec un pile amour et il était prend temps pour le faire ça. Mais malheureusement, les oreilles de ces hommes-là ont été
eh ben yo pas ouvri à parole là. Parole oreilles yo t'était fermé à parole là. Cœur yo t'était fermé à parole là. Et l'évangile matin hein, dans journée jeudi vendredi ça côté pour nous-mêmes pour tout bon chrétien pour tout bon catholique c'est un jour de jeûne. Eh ben l'évangile ça il appelle nous à un seul bagage à la conversion. À la conversion, à la repentance. Cet évangile nous invite à ce qu'on appelle à un changement radical, fait en profondeur. Ça nous relie yon métanoïa. Yon métanoïa, ça veut dire, c'est yon déchirement, c'est yon opération. Côté nous couper en métal avec péché et nous retourner réellement vrai avec un cœur sincère pour un repentir nouveau. Repentir alors et conversion en repentance comme on a fait fin texte ça qui coïncide avec monde ça on a fait mémoire de lui-même jeudi hein, il dit ça celui qui vous écoute m'écoute l'écoute qui laisse n'écouter bon Dieu. Et parole là dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis, on a fait mémoire de un potorique garçon qui portait nom Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est un monde qui était vivant sous terre, mais qui était passé temps dans la lecture de la Bible. Ça nous relie lectio divina. Il était passé temps, mais il était un travail scientifique qui était mérité fait. Et c'est alors qu'il était entreprendre pour le traduire, eh bien, Bible pour le devenir avec version latine. Il était fait travailler ça, et travailler ça, il a gagné place. Travailler ça, il était venu rendre Bible eh bien, accessible avec un pile monde. Et pour qu'il soit accessible avec un pile monde, c'est de quoi pour le monde capable de coûter mon Dieu. Une façon pour capable coûter mon Dieu, c'est dans la Bible. Car Dieu y est. Dieu nous parle. C'est dans la Bible, parole, mon Dieu, Chita. Et c'est un côté où capable de rencontrer mon Dieu facilement. Nous avons dit, combien de nous, la caïnon qui gagne en Bible. Nous avons dit, combien de nous, la caïnon qui prend temps, qui peut faire au moins une minute, deux minutes de lecture biblique. Nous avons allé de manière plus récente, moderne. Combien de nous, sous téléphone, nous, certainement, nous avons joué TikTok, nous avons joué Instagram, nous avons joué Twitter, WhatsApp, n'en parlons pas. Mais est-ce que nous avons une Bible enregistrée sur smartphone, nous, sur téléphone nous? J'en doute fort. Et pourtant, c'est là oui, que nous sommes capables de changer. C'est là où on est capable de jouer une route de conversion. C'est là où on est capable de jouer une route de ciel. C'est là où on est capable de rencontrer mon Dieu qui a toujours une parole. Car Dieu a toujours quelque chose à nous dire, quelque chose à nous insuffler, quelque chose à nous chuchoter. Mon Dieu a toujours un bagaille pour lui dire non. La lecture divine, la lecture divine, la lecture de la Sainte Bible, la lecture de la parole de Dieu, le lieu où nous pouvons rencontrer Dieu. Le lieu où Dieu a quelque chose à nous dire. Est-ce que vous prenez le temps? Au moins, une fois dans une semaine. Au moins, quelques minutes dans une journée. Pour rencontrer mon Dieu dans la parole là. Est-ce que vous prenez le temps pour écouter la parole là? Ouais, écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Au printemps pour écouter mon Dieu. Saint Jérôme, il était fait travailler ça. Et il était passé tant le tout à servir mon Dieu dans l'église là, dans frère, dans seul lieu. Pendant l'étape mené une vie ascétique, c'est-à-dire une vie qui pas gagné trop loisir, une vie côté qui une austérité qui était appliquée parce que le connaît c'était dans fin fond entrailles, il était besoin bon Dieu. C'était dans fin fond cœur. Il a besoin de vivre avec bon Dieu. Et jamais, même pour un instant dans la ville, il n'est pas jamais rejeté
bon Dieu. Bon Dieu t'a créé nous pour gloire lui éclater. Là nous trahis bon Dieu, nous fait péché. Péché fait nous souffrir, les boucher nous dans trou. Lumière, la vérité vient sauver nous. La lumière, le Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Et nous aimons dire, parole ou yo grand maître, c'est la vérité. Si nous écoutons, la vie a changé. Si tu as la vie a changé, écoute. Oui, écoute Dieu. Écoute sa parole. Écoute celui à travers qui Dieu nous parle. Écoutez, bon Dieu, et la vie a changé. Écoutez, bon Dieu, ou a gagné une autre vie. Écoutez, bon Dieu, et ou a pris un chemin repentance. Chemin conversion. Chemin conversion, c'est mieux, frère mieux. Ou pas prendre une fois pour toutes. Ou pas prendre décision pour dire à partir de aujourd'hui, bon Dieu, je prends ferme décision pour ne pas faire ça encore. Pour me venir joindre nous, pour me servir. Oui, ça c'est une grosse décision qu'on prend. Mais en une grosse décision, ça, chaque jour, à chaque moment, on a besoin de prendre de petites décisions, nous allons régler comme ça. Et ces petites décisions ça yo cap régler cap réglementer cap réguler cap orienter grande décision que tu prends. On prend par exemple yon monde qui dit ah moi chaque soir l'aime pas dormir faut vendre moins plein jusqu'à ce que m'pas capable encore pour ces chiclettes m'a manger. Et ben il a dit puisque me connaît la gourmandise c'est un péché, et ben m'a fait effort pour m'pas faire ça encore. Mais pendant lui prend décision ça, mais c'est à chaque moment pour l'a dire à m'pas adorer manger dépassé moi m'pas adorer manger pour ces on bagaille pour m'a chercher ruminer sous prétexte que vente moi a baissé. C'est une décision en un grand décision. Soyez frère bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour te perdre pièce dans nous. Jésus n'est pas venu pour une dans nous perdu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Tout homme est pécheur, mais tout homme est appelé à être bénéficiaire de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la tendresse de Dieu. Frère mieux, c'est mieux, à nous chaque jour, nous prenons chemin repentance. À nous pas fermer les oreilles, nous, tant que les citoyens de ces villes-là, Corazine, Bethsaïde, Capharnaüm, à nous l'ouvrir que nous, à nous l'ouvrir les oreilles, nous, à nous l'ouvrir la vie, nous, pour nous connaître que la vie, nous, c'est dans mon Dieu, il est sorti, et c'est dans mon Dieu, il est abtonné. Nous, on t'est fait pour nous vivre dans l'éternité, ça veut dire dans la vie bienheureuse, dans la vie côté Saint-Archange, nous t'es célébré hier, il y a tant de nous. Nous n'avons pas été faits pour la perdition, mais pour que la gloire de Dieu puisse être éclatée en nous, pour nous capables tout illuminer, rayonner de mille feux, de mille flammes, car la grâce de Dieu, la lumière de Dieu est en nous. Nous pas faites pour nous perdre, nous faites pour nous sauver. En nous prenant chemin conversion, en nous écoutant mon Dieu qui a parlé avec nous, en nous prenant coutume pour nous fréquenter mon Dieu d'une manière spéciale dans l'Eucharistie, mais tout dans la Bible. Côté ces paroles, c'est ça qu'il dit nous fait, pour nous faire. La Bible qui c'est code par nous. La Bible qui c'est loi par nous. La Bible qui c'est droit par nous. La Bible qui c'est parole par nous. La Bible qui c'est lumière qui a guidé la vie, qui a éclairé le chemin. Non? La Bible, côté bon Dieu, qui a une parole pour lui dire nous chaque jour. C'est pour bon Dieu ça. Chaque jour, creuser en nous ce désir intense pour nous rencontrer. C'est pour nous lui-même, à l'instar du prophète Jérémie, pour nous dire, Seigneur, lorsque j'ai rencontré ta parole, j'ai envie de la dévorer, car elle fait ma joie, les délices de mon cœur. C'est pour parole ça, planter dans le cœur, non? C'est pour parole ça, planter dans l'âme, non? C'est pour mon Dieu, bon, nous, envie chaque jour, pour nous venir joindre lui, pour nous prendre bon route là, pour nous refuser mauvais route là, pour nous prendre route lumière, pour nous refuser route fait noir, pour nous prendre route la vie, pour nous refuser route la mort, route la vie, qu'a fait nous participer dans sa bonne Dieu, lui-même maintenant, la vie n'est en l'air,
la vie qui était là hier, qui l'a jodi hein, et qui a là pour tout en temps. Frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puisque nous venons de méditer ta parole à l'exemple du bienheureux Jérôme, accorde-nous, Seigneur, Dieu de majesté, de mettre plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en faisant mémoire de Saint Jérôme. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Hosanna. C'est le Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre, la 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 la, sont remplis de ta gloire, inondés de ta lumière, Hosanna. C'est le Seigneur, Hosanna.
le Fils de Dieu. La 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 la, qui vient dans sa puissance. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Souviens-toi des défunts pour qui on a recommandé cette messe. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun, sur chacune de nous qui participe à cette messe, sur tous ceux-là qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse.
sur tous ceux-là qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance ainsi que leur anniversaire de mariage, sur tous ceux-là qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA, sur chaque Haïtien et sur tout Haïti, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens sur moi spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Thank you.
Seigneur. Nous célébrons avec joie, Seigneur, le bienheureux Jérôme, que le sacrement reçu réveille le cœur de tes fidèles, pour qu'attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils découvrent le chemin à suivre et qu'en le suivant, ils parviennent à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. L'ange du Seigneur fit son message à Marie. Elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Répands, Seigneur, ta grâce en nos âmes. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Supplique à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Les saints archanges, priez pour nous. Les saints archanges, priez pour nous. Les saints archanges, priez pour nous. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Tous les saints, tous les anges du ciel, intercédez pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Joyeux anniversaire de naissance à Carmela Montinor, dit Taticam. Nous disons bonne fête, Taticam. C'est pour grâce à la faveur, mon Dieu, bénédiction, mon Dieu, continue de tomber sous vous. Joyeux anniversaire de naissance à Aimé Pierre Verrier, à Fabienne Moncoeur, à France Euphonise Vixamar, Herbu Cadet, Jean-Carmen Bonnet, Jean-Michel Lermite, Liam Ed Sparron, Lindsay Darnel Bien-Aimé, Marc-Antoine Barnabé Arrelus. Joyeux anniversaire de naissance à Narly Régis, Michael Birouet, Nadia Bonnet Prudhomme, Patrick Paul, Samantha Louis. Joyeux et béni anniversaire de naissance au révérend père Marc-Henri Siméon. Bonne fête à Jean Donna André, à Bassette Wood, Nerly Anlida, à Almidor Fodna. Joyeux anniversaire de naissance à Naïchka Leila Desilon. Nous dit tout le monde ça, joyeux et heureux, fructueux anniversaire de naissance. Je dis à spécialement que vous refait dans bon Dieu, qu'il soit renés en Dieu, que vous la vie qui est tout neuf, la vie qui est belle, la vie qui fait mon Dieu plaisir, et la vie tout côté tout l'autre frère, soeur, tout l'autre monde qui vit surtout plus près, et bien content
à vivre ensemble avec eux. Joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Eddy Carole Bertin, qui a célébré 50 ans de vie au marié. 50 ans de mariage. Bon 50e. À monsieur et madame Eddy Carole Bertin, on dit bonne fête de mariage tout à Gérald et Agathe Volsi. Bonne fête à Marc-Antoine Barnabé Arélus, qui est collaborateur nous et qui est un membre actif dans la communauté. Hein. On dit bonne fête. C'est Marc-Antoine Barnabé Arélus. Ah, c'est le fils de Barnabé Arélus. Marc-Antoine, c'est Marco. Bonne fête. Bonne fête à nous toutes et à nous chaque semaine, frère Mio, qui célèbre un événement heureux, quel que soit à côté de nous, sur la planète là. Mais nous ne sommes pas là. Même si nous ne sommes pas là, ça tape trop petit pour nous raconter. Nous avons tout le monde qui célèbre un événement heureux, mais nous nous inscrivons dans le cœur, bon Dieu, dans la vie, bon Dieu. Nous nous avons deux blâmes, papa, bon Dieu, et bon Dieu lui-même la connaît comment pour les gâter. Nous. Pas oublier, frère Mio, frère Mio, c'est chaque jour nous devons prendre route conversion. Route repentance là. Nous reprenons chemin conversion qui mène nous à l'en ciel. Et il y a un moyen que nous sommes capables de rencontrer mon Dieu, c'est dans la Bible. Achetez une Bible, mettez la caille nous. La caille là, doit avoir une lumière ça. Parole mon Dieu qui c'est lumière. Et puis, prends soin de la Bible là. Pas mettre graisse là-dedans. Pas quitter une chiripage là-dedans. Dans la Bible, sous téléphone, nous sommes capables de avoir une Bible là. Lorsqu'on titan, eh bien, ouvrez au lit un passage, au lit un verset. Laissez-moi prendre mon Dieu, puis bien, ou après sagesse, ou après acquérir au long des âges. Si vous avez un parent qui a une Bible, mais que par faute de grands-parents, ou bien de circonstances qui ne dépendent pas de vous, vous n'avez pas qu'on lit, eh bien, vous faites petit, petit, vous lit pour vous. Vous faites un monde lit pour vous. Regardez, non, putain, venez lire. Si vous avez parlé ça pour moi. Et puis, vous l'ouvrez, vous n'avez pas besoin qu'on parle. L'ouvrez la Bible, et puis mon Dieu a dirigé. Et puis, parole ça, vous va gagner comme lampe qui peut éclairer le chemin pendant peut-être journée, hein, et pourquoi pas pendant toute reste vie. Chemin conversion, c'est ça, mon Dieu voulait pour nous capables de vivre, pour nous capables de gagner la vie, pour nous capables de participer dans l'éternité, là, dans la vie qui va jamais finir. Voilà ce que Dieu veut pour chacune de nous. Que nous soyons avec lui au ciel et festoyer avec les saints, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, pour nous capables de vivre dans l'éternité, mon Dieu. En dépit de tout, je vous souhaite bon vendredi, bonne journée, bon week-end. Soyez toujours prudents, qu'un peu faible dans mon Dieu, pas la vie. N'a pas dit non, on a fait nous connaître que. 1er octobre, c'est l'ouverture du mois du rosaire, 31 jours de prière à la Vierge Marie. A bien moment la prière ça dans l'église là et puis sur RTA Radio Télé Alta Grâce, le canal de la grâce. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cœur sacré de Jésus. Que votre règne arrive, cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Yeah.